problème, c'est pas le Nous on est en colère, bien sûr on est en colère, bien sûr. Moi j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon neveu, on n'a pas de nouvelles. Aujourd'hui on est en colère, on ne sait pas, ils nous baladent des informations, les médias. Tous les jours ils nous racontent, tous les jours ils nous racontent des histoires. Voilà, le quai d'Orsay qui nous raccrochonnait. Nous on n'a pas d'informations, on est là, depuis hier on est là. Christian, vous ne venez pas vers nous, Christian? Allez, il est là. On a des questions, monsieur Estrosi. Vous appelez les médias, vous appelez pas les familles des victimes? Elle était sur la promenade des Anglais, elle était avec son fils, elle était avec des amis à elle. Apparemment, il y a une copine à elle qui est décédée aussi. Elle aussi, elle est décédée. Voilà, l'enfant, on le recherche. On n'a pas d'informations. Moi, je ne peux pas vous dire, malheureusement, et je le regrette parce qu'on a demandé au procureur la liste, si qui est sur la liste et qui n'est pas, malheureusement. Non, vous faites le. Regardez, il me laisse pas passer. Regardez, il me laisse pas passer. Il me laisse pas passer. Je suis directeur de cabinet. C'est quoi qu'on aura la liste, s'il vous plaît? Je ne le sais pas. J'ai demandé à la préfecture. Regardez, on leur demande, ils savent pas c'est quand. Monsieur, attendez, monsieur, on vous demande. Mais monsieur, vous savez qu'il y a des investigations extrêmement longues. Pour être certain, vous préférez. On ne peut pas se permettre de faire une erreur, de vous dire non, la personne n'est pas morte alors qu'elle l'est. On m'a dit que le gamin, qu'il n'est pas, qu'il est, en fait, on n'a aucune nouvelle de l'enfant, en fait. On n'a aucune nouvelle de l'enfant, on ne sait pas où il est, dans quel hôpital il a été transporté. Parce que sache, moi je pense qu'il est dans un hôpital, il est blessé, ou peut-être choqué, ou dans un état grave, ou en réanimation. Ou peut-être qu'il est décédé parmi les victimes. Et voilà, quoi, on n'en sait pas, en fait. Ça les met dans une angoisse extrême. Une tension extrême, c'est quelque chose d'insupportable, parce que plus les jours passent et plus finalement ils se doutent de ce qui va leur être annoncé. Cependant, tant que ça n'est pas annoncé, l'attente est absolument insupportable, parce que aucun moyen de réaliser et de commencer effectivement ce travail qui est, qu'on va appeler, entre guillemets, le travail du deuil. J'ai moi-même reçu une famille, le papa est décédé, la maman est disparue et les enfants me disaient pour papa on sait, mais pour maman c'est insupportable. Donc c'était moins insupportable de savoir déjà le décès de leur père que d'attendre, d'espérer et d'osciller, si vous voulez, entre l'espoir et entre le fait qu'il fallait déjà se préparer à une mort dont on ne sait pas si elle est vraie.